Re-coucou! Re-coucou! Eh oui, on se retrouve encore pour une vidéo, comme je vous l'ai dit. Alors, je tiens déjà à m'excuser, sincèrement. J'ai ma chauve-souris, je pensais qu'elle était sur le palier. Non, c'est encore pire, c'est au-dessus. On dirait un troupeau d'éléphants. Donc, je viens de me défouler un petit coup, gentiment, hein. Mais j'ai tapé un petit coup dans le radiateur pour lui faire comprendre que là, c'est bon, faut arrêter. Sachant que ça ne dérange personne d'autre puisque je n'ai que les caves en dessous et que lui au-dessus, hein. À côté, j'ai personne. Donc, je dérange personne d'autre. Ça a l'air d'être efficace pour l'instant. Allez, on continue les ouvertures de participation. Donc, c'est la participation de Patricia G du 75. Tu as le numéro 31, ma belle. Alors, pareil, j'ai vu que tu avais fait des flèches. Je te remercie infiniment. Tu me connais très, très bien toi aussi. Alors, on va y aller. Yep. Gentiment. Tu l'as super bien emballé aussi. Je crois qu'il y a plusieurs épaisseurs, oui. Là, j'aperçois la carte. Ah, mais c'est génial, j'ai même pas la chercher. Je vais couper un petit peu au niveau du scotch et du plastique. Déjà, je vois une très très jolie enveloppe. Oh, c'est magnifique et c'est trop gentil. Joyeux Noël, Florence. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on va l'ouvrir. Oh, puis bleu nacré comme ça, j'adore. Est-ce que je vais arriver à décoller le petit Père Noël? Il colle bien, hein? Il colle vachement bien. Les petits coquinous. Là, ça y est. Je l'ai eu. Sans l'abîmer et sans abîmer l'enveloppe. Tu peux aller répondre, s'il te plaît. Tu dis que je rappelle après. Merci, ma puce. Je suis désolée. Oh, oh là là. Elle est magnifique. Il faut que j'arrive à la sortir. Parce que tu as fait une carte très épaisse. Voilà. Oh là là, qu'elle est belle. Oh, j'adore. Une petite étoile en feutrine. Une étoile en strass. Tu as mis des petits glitter drop 3D. Doré. Un sentiment Noël, ils sont super jolis ceux-là. Un petit bonhomme de neige. Là, t'as mis. Oh, elle est jolie. Il est superbe ton sequin flûte et ton sequin. Oh, ils sont superbes. Note de musique. Un petit oiseau. Là, oh là là, que c'est joli tout ça. Ah, oh, c'est superbe. Là, t'es venu avec du. Je pense que c'est Glitter Drop. Tu t'es venu étaler un petit peu comme ça. Oh, c'est magnifique. J'adore. Je vais lire ton petit mot. Ah non, bah c'est pas la carte encore. Enfin, j'ai pas le petit mot dedans. Oh là là. Très, très joli. Alors, ça, c'est quoi? Alors, là, on a une très jolie plume. Dans les bleus, pareil. Il était venu la coller avec. Oh, c'est pas bête. Regardez avec le glitter drop 3D, bleu et vert, pailleté. Et là, je vois qu'il y a une bande donc de feutrine et il y a des numéros. Un numéro, je ne vais peut-être pas toucher, ça correspond peut-être à quelque chose dedans, je ne sais pas. On va laisser comme ça en attente, hein. On verra après. On va pas être trop curieuse d'un coup, hein. Donc, hop. Je vais peut-être mettre en pause le temps que Lola arrive, hein. Ouais, ça serait sympa, je pense. À tout de suite. Là, je m'excuse, mais je tenais à ce que Lola soit revenue
Et comme elle papotait au téléphone, il fallait 2 petites minutes. Alors, elle n'a pas été longue. C'est vrai que vous ne pouvez pas vous représenter le temps, mais je vous garantis qu'elle n'a pas été longue. Alors, et hop. Tu as super bien protégé ton colis, en tout cas. Oh. Emballé dans du papier, après emballé dans du sopalin. Et puis, tu as même décoré le carton. Oh là là. Je vais y aller au ciseau parce que la lame sur le sopalin, ça va pas bien. Là. Oh là là. Ah, mais elle est magnifique ta boîte. Ah, j'adore. Alors. Yop, je confie le sopalin à Malola. Elle est magnifique. Oh, très beau sapin. Alors, non, oui, d'accord. Dessus, là, tu m'as dit. Je suis en train de réagir. Oui, puisque là, c'est les patins que tu les as mis pour pas que ça glisse. Donc, un très joli ruban. Oh là là. Que c'est joli. Oh, que c'est joli. Alors attends. Yep. J'essaye de voir comment enlever. Voilà, le sopalin. Oh, c'est super mimi. Là. Je te redonne le reste de sopalin, ma puce. Oh, oh c'est trop chouette. Oh, c'est magnifique. Regardez, ouais. On a le Père Noël, on a des boules, des boules pompons, des boules boules, tout dans les teintes de bleu et de vert, c'est superbe. Le sentiment Noël, elle a fait un cœur avec les petites guirlandes métalliques, vous savez qu'il y a un fil métallique dedans là. Oh, des branches de sapin, des petits sapins, une plume comme dans la carte, comme ici. Là, avec les lettres en bois, elle est venue écrire Lola. Au centre, on a 2 sapins et une bande de washi. Il est super joli en plus, le washi. Elle a mis des petits strass sur les boîtes. C'est superbe. Là, elle a fait une fleur en papier. Où elle est venue mettre du glitter drop 3D bleu. Oh, c'est superbe. Là, avec les petites perles, elle est venue écrire Florence. Oh là là, c'est magnifique. Des petits sapins. Il y a un nouveau un cœur ici. Là, je vous le montre. Oh, c'est superbe. Le sentiment Noël, là. Alors, on va ouvrir. Oh, que c'est mignon. Oh, c'est trop gentil. On a un petit Père Noël et une petite canne à sucre. Oh, tu sais qu'on est gourmande. Un Mars et des petits bonbons. Ah, c'est trop mignon. Ils sont super bons ceux-là en plus. Et dans la boîte aussi écrit Lola. Ah, j'ai parmi ces deux-là, je les remettrai après. On a une canne à sucre. Un Galaxy. Ferme ta bouche, je te vois baver. Un Mars. Et pareil, les petits bonbons. Ils sont super bons. T'en veux déjà un? Tu veux lequel, ma fille? Un petit paquet de bonbons, s'il te plaît. Un petit paquet de bonbons? Tiens, ma chérie. Merci. Ah ben, je te remercie infiniment. C'est adorable. Et en plus, c'est magnifique. Oh, et puis, tes sapins tombent. Je suis en train de voir un détail. Youp. Je vais vous montrer ça de plus près. Regardez, elle a même mis des petites boules dedans avec le gel glitter drop 3D. Oh, t'as pas eu trop de mal, j'aurais pas osé, j'aurais eu peur que ça coule, moi, tu vois. Mais ça fait super bien. Vache. Là, elle est venue y coller un petit oiseau sur celui-là. Là, on a un petit oiseau. Oh, franchement, chapeau. C'est magnifique. J'adore. C'est trop gentil. Alors, je vais les remettre dedans. Attends, parce que là, j'ai remis un peu.
vite fait. Ce qui fait que j'ai pas pu fermer la boîte, c'est les chocolats qui gênent. Youp. Voilà. Et là, je reglisse dedans aussi. Il y avait mieux rangé que moi. Mais bon, je te rassure, ils vont pas rester longtemps dans les boîtes. Mais c'est magnifique. Merci infiniment, ça me touche beaucoup. Là, la fleur, tu as même fait le feuillage à côté. Waouh. Et ben, on va regarder ce qu'il y a donc ici, parce que là, je vois pas de numéro. Donc. Parce que là, elle m'a mis des numéros, hein, Patricia. Alors, j'adore ton papier. Oh, oh, oh. On pourrait croire que tout est pareil. Mais ça ne l'est pas. Ah, c'est un petit message, j'adore. C'est trop mignon. Et pourtant. Alors, je me suis rappelée pendant que Lola était au téléphone. Il n'y a pas de petits mots parce que elle m'a fait un mail. Et elle m'avait envoyé le mail avant que je reçoive. Donc, je me rappelle très bien de ton mail, hein, ma chérie. T'inquiète pas. Et je te remercie infiniment du fond du cœur. Donc, on va te souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. On est tout cœur avec toi. Et on pense très fort à toi aussi. Gros bisous. Et je te remercie infiniment. C'est vraiment superbe. Merci beaucoup. Donc, tu as le numéro 31, Patricia. On vous envoie des gros bisous. Merci beaucoup. Et à tout de suite pour l'ouverture suivante. Allez, bisous, bisous, je vous aime. Gros bisous.